Ancien président Matéli prend dans Zobo. Fois ça, c'est pour tout bon. C'est pas d'un cap grillé, c'est pas jouer à jouer avec Matéli. États-Unis, département trésor américain, sanctionné papa ganglan qui c'est Michel Joseph Matéli. Nous tous connaissons qui est Matéli. Nous tous connaissons qui ça, non Matéli cité, dans le pays d'Haïti ou à l'étranger. Yo sanctionné tout roi en pile pays. Bat bravo pour décision ça. Pays États-Unis prend pour sanctionner Matéli pour pas accès à ni crédit et pas gen moun ki ka prêté le cob. Bara la grave, bara la empiré pour Matéli. Ou pas ta believe that, ou pas ta quoi ça. Rete là, m'a bon plus détail. Dans dossier rapport de CPJ, côté li publié plusieurs noms journalistes qui n'ont confié avec gang. Femmes ou bien, nous n'avons pas épinglé avec des médias en ligne qui n'ont association malfectée à tout. Et puis, de ce que j'ai demandé, pour marrer tout journaliste ça yo, que nous citons dans le rapport, marrer yo, tant que crabe, pour la justice qui a fait travailler. Tenez bien. Eh bien là, depuis hier soir, des journalistes là, c'est sous bouche toilette là où dormi. C'est sous bouche toilette là où passe nuit là. Parce que bon diarrhée de yon là. Voilà, vraiment grave. Et maintenant là, il y a des journalistes non cités dans le rapport de CPJ qui a 27 pages là. On va remarquer au champ de masse. Parce que la base qu'on y est, non sorti non yon gang. Et ceci, nous pourrons dire nous, qui est-ce qui a vécu? Ce n'est pas Bernard Daniel qui a vécu. Ce n'est pas Bernard Daniel qui a démasqué. Mais c'est plutôt un autre journaliste qui n'a confié avec gang, même j'avais Bernard, qui dit, mes journalistes, ils ont même tout, ils ont descendu dans le bateau. Lui, il fait qu'on est, lui, il va prendre prison pour lui, lui, il est là. Lui, il est là, qui connaît, qui connaît avec, qui accompagne. Regardez la vidéo ça pour plus d'éclairage avec précision. Maintenant, demandez pour like, abonner, peser sous cloche de notification, retirer sous personnaliser sous tout pour les nouvelles vidéos pour pas rater. Pas oublier nous-mêmes, nous c'est Production 69 et nous pas faire nouvelles, mais c'est nouvelles que nous bail sans été, sans mété. Ancien président Matéli, nous tout connaît tout ça, son équipe pesé en pile poids. Dans la balance politique pays d'Haïti. Même si vous n'êtes pas en train de Matéli parler, il est là, en background. Il a fait contact, il parle avec tout le monde. Et ceci, même si vous êtes un nègre là, qui parle sous parti politique, il n'y a pas étonné. C'est Matéli qui a dirigé. Nous avons le pays Canada, qui a mis sanction. Canada a sanctionné les gens, il a sanctionné Matéli. États-Unis pas jamais dire rien contre Matéli parce que Matéli c'est un américain, nèg a dit c'est un haïtiano américain. Finalement, États-Unis dit c'est trop bâtard. Nous prenons trop de travaux et pas connait pas connait ces gang. Nous connait ces gang. Et pas connait pas connait ces drug dealer, nous connait où ces drug dealer. C'est pas connait pas connait mais qui mauvaise affaire que vous y est. Étant donné nous c'est un citoyen américain. Nous avons géré en façon. Mais si nous venons en pile pression, nous faisons un avocat quand même. États-Unis sanctionné ancien président Michel Joseph Matéli. Je sais ça. Pour Américains a sanctionné un Américain sur le territoire. Oui, Matéli sont Américains. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire même si un Américain. Département trésor américain li annonce nouvelle là dans une note yo publié sur site internet officiel yo hier mardi qui était 20 d'août 2024 là d'après autorité américain yo Michel Joseph Matéli t'a utilisé influence li
pour te faciliter trafic drogue dangereux qui gain la dedans cocaïne. Il dit drogue cocaïne parce que battre lui-même il va fumer boss et cocaïne il prend cocaïne pour aller aux États-Unis. Mais c'est matin tes la bouche li et voler lié. Il t'a travaillé sur une route by highway et qu'on volait camion yo et al vendre $500. Et ensuite, yo qu'on sauter sous drogue cocaïne. Il acheté $500 cocaïne avec même machine ça, yo te vendre ni yo fumer, yo râler, craquer, craquer tête yo loco. C'est matin tes la bouche li m'a connait. Si c'est les ça si c'est m'a dit chon derrière de elle ou bien c'est zécho ou passer dans bouche li m'pa konnen États-Unis il fait konnen matérialité utiliser influence li pour faciliter drogue et pour faciliter trafic drogue dangereux qui gagne la cocaïne pour aller États-Unis jusqu'à présent c'est jouer à jouer avec matérialité jusqu'à présent. Yon est qui utilise influence li pour faciliter drogue cocaïne entrer dans un pays ou se posant barcode. Et je vais avec Mateli comme ses amis yo, ni Mateli ni américain c'est des partenaires et des bons amis et je vais avec jusqu'à présent que m'a pas là. Parce que l'état m'a dit et la loi États-Unis yo gen sanction pour nèg qui se drogue dealer. Ça veut dire je vais avec les gens d'aspect de FBI ou dit et arrêté matériel déjà. Mettez-le en prison. Monsieur vous voulez même voler dans le pays d'Haïti, venir en prison pays d'Haïti. Oui. Et mettez-le non. Yo allez plus loin dit ancien président parti tête calée travaille avec divers trafic de drogue en Haïti et puis supporter plusieurs gangs vraiment vrai. Matériel créé. Yon base gang créé le 257 dans Pétionville. Et nèg sa yo, c'est artiste. Et le temps de son artiste, yon utilise, yon de ka di, couverti artiste là, pour te ka passe drogue. Et puis krasi manifestation. Nèg sa yo, chaque nèg yo te gonzam. 257. Mateli, li supporte plusieurs gang. Vraiment vrai. N'ap songe, si la pli te calé ni sorti combien les gros armes Chris la tout combien les gros armes avec l'argent oui Mateli Galil combien les Galil lui si voter plusieurs gangs dans le pays d'Haïti sous secrétaire par intérim pour question touriste et renseignement financier américain qui c'est Bradley Smith, il fait qu'on est action yo, regardez bien oui. Smith fait qu'on est action yo posé hier là contre Michel Joseph Matelia, lui pouvait rôle important lui même avec l'autre membre blanc élite politique compia jouer dans crise pays a fait face je ne jodi à là. Matelia pour beaucoup. Toujours dans même dossier ça d'après ça yon économiste expliqué avec sanction département trésor américain pendant parler là on a gagné match qui passé sur écran n'a ouais et nous est les épaules cassées n'a qui pas trop jam n'a qui va trop fin gigason car elle perd nous est grand plus mon encore avec Mateli ses amis Mateli attendez bien. Next on bel m'pa ba ou ti conseil si vous voulez apprendre. D'après ça yon économiste expliquez-nous avec sanction département trésor américain. Mateli pa ka fait aucune transaction financière en dollars. Dans quel que soit pays. Parce que système finance mondial là interconnecté. Ça veut dire ancien président haïtien qui c'est Michel Joseph Mateli papa gang drug dealer papa tenez bien papa gain compte banque li papa gain carte de crédit li papa ni vendre ni acheter
Et ceci, s'il gagne un business, si Maté li gagne un business, li pap ka vann action. Li pap ka acheter action tout. Nan business pa l'autre moun. N'a rappelé avec interdiction sa yo office of et en anglais li oui bon ba sigla plutôt et OFAC ça nous les OFAC li imposé très bien li imposé je dis à la même n'importe moun ou bien institution qui t'a participé dans transaction avec chanteur Sutmikia qui c'est Michel Joseph Matéli, lui risque de tomber en bas sanction tout. Par exemple, si Karel Ped, qui c'est bon ami Matéli, qui va finir tout de garçon, que tu as Molas, qui achète Figi, si Karel Ped, tu as allé 100 dollars américains, lui prête Matéli sous compte banque, Karel Ped a tombé en bas sanction. Si Gracia Delva, Wowo Nelson, t'a prêté Matéli Kob sous compte en banque li nèg sa risqué pour tomber en bas sanction. Moi même content les yo sanctionné Matéli, ça prouve à clair Matéli pas ka à l'aise parce que non monsieur c'était un assassinat président, non impéglé nan dossier drogue dealer, non monsieur cité comme moun ka financé gang nan pays d'Haïti ou pas ka à l'aise. Léo la façon elle apostrophe ou pas qu'à l'aise. Nous content ça. Et femme ou bien. Après ce que ça a fini publié, m'a saisi garder et ça ou dit là ou dit yo bay réseau pour laquelle yo prend sanction contre Matéli. Mais yon sanction est en sanction. Nous ka d'accord ça. Si c'est jouer ken nous fait jouer à l'arrivée Matéli, Matéli pas kembem. Si n'a fait ba essayer, ken fait ba essayer, attendez non. Attendez. Rale j'ai Yushita, si j'en tout coupé ça moi, mais de tout coupé, parce que ça m'a dit là, il est important. Département de trésor américain fait qu'on est, pouvoir avec intégrité, sanction au fac, yo, vini, yo vini, non seulement de capacité yo, pour sanctionner moun, mais tout volonté yo, pour lever sanction yo, sanction yo tout. Je dis, conformément, à ça la loi dit selon document et entendez bien selon document nous-mêmes nous sollicitons et nous consulter même entité américaine ça libère possibilité à moun qui concerné à pour mander retirer sous liste là chaque année et au fac retirer plusieurs moun ou bien entité sous liste sanction. Cependant, chaque retrait basé sur un examen en profondeur. Le département trésor américain précise, sanction yo prend compte moun qui impliqué dans mauvaise affaire. Fait qu'on est yo pas bay sanction ça, li pas pour pini. Est-ce que n'exam dire là, sanction ça pas pour pini, mais pour porter un changement positif nan comportement concerné yo. Ça veut dire là Matéli yo sanctionné yo façon pour changer comportement. S'il te drogue dealer pour pas faire ça encore. Si comme par exemple avec bandi pour pas faire ça encore. Après depuis un bon bout de temps il va faire ça encore, il a levé sanction pour. Vous avez causé? Et mes amis, et bon partenaire américain, américain avec américain captif. Oui, c'est des américains captif. Et puis après ça c'est au fin bail là. Je vais regarder sur le compte Twitter officiel qui publie là. Après quelques temps après, Mélanie Jolie, attendez bien, Mélanie Jolie bat bravo pour le département trésor américain sanctionné Michel Joseph Matéli, qui était déjà même sanctionné depuis l'année 2022. Nous t'ai joué, et vous bien, je dis nous t'ai joué, yo rôle premier plan. Les nous t'ai sanctionné diverses élites politiques qui t'ai contribué dans climat violence ak qui gagne dans pays d'Haïti. Et c'est ça et Canada et ministre Canada écrit. Mais là Jolie, il dit faut toute
communauté internationale là mettez ensemble pour nous bailler et pour nous batailler contre corruption et puis la guerre responsabilité yo sous Sila yo cap terroriser pays a et puis peuple haïtien et puis peuple haïtien et ministre affaires étrangères Canada salier décision États-Unis prend pour sanctionner papa gang dit les drogues Michel Joseph Matelin te ka dit El Michele Matelin. Femme bien et avocat Matelin parlé connaît. Il va dans silence li. Malgré ouais Matelin sanctionné là, Matelin gagne balle là. Et dans pays États-Unis, gagne balle là pour jouer connaît. That's lié et balle li. Dernièrement même tout elle t'a joué avec Criolla, là, Tite Joseni et partenaire Tidio, il va être Tidio. Attendez non. Et même si il est confirmé Michel Joseph Matelin il est toujours la caille qui Matelin était Florida il était Florida Richard Dasson Dasson qui c'est avocat Matelin depuis longtemps il refusait faire commenter sous sanction américain yo prend contre client par là. D'après Miami Herald qui écrit sanction département trésor américain imposé contre bien contre Matelin pas vraiment l'ouvri chemin pour gagner une poursuite pénale contre Matelin aux États-Unis mais li ka mené plutôt avec une série sanction mondiale nan niveau et Nations Unies. Bon c'était pas Matelin en sanction mondiale. C'était ben yo sanction mondiale il t'a plus bon hein Matelin toujours la caline dans Miami et il prévoit et lancer il sous pour connaître s'il a reté travail USA d'après avocat parce que Matelin pense que là monde pas cabal cob n'est pas américain pas faire transfert pour lui. Les bon on yon américain ta fonction pour Matelin l'a tombé en bas sanction qui réservé pour lui. Matelin pas à l'aise. D'accord ça. On nèg qui fin crase son pays, yon nèg qui fait jolé mais j'ai le crase pays a nèg comme ça pas à l'aise. On clé sur ça, yon nèg comme ça c'est débat pour lui. Et débat pour lui nèg ça yo, c'est débat pour lui, il pas fouti à l'aise. Il pas fouti à l'aise. D'accord avec elle. D'accord, parce que les gangs sont gangs. Les mafias sont volées. Ils sont même. Mais ils ne sont pas sautés. Ils ne sont pas sautés du tout. Depuis que nous avons gang, depuis que nous avons des drogues dealers qui sont même. Ils ont dit que nous mourrons aujourd'hui. Ils ont dit que nous mourrons, mourrons. Parce que nous avons des gangs qui ne sont pas avec gang. Bon, nous avons tombé droite. Dans le dossier DCPJ qui sorti un rapport 27 pages côté gen journaliste gang la donne. Tenez bien. DCPJ nan date 15 juillet 2024. Tenez bien. Nan date 15 juillet 2024 qui rend public je le dis là. Et il m'a dit qu'il était 20 août. Journaliste Yvnet Silafanor, la police a été arrêtée le 12 mars 2024 là. Et arrêté monsieur et sur machine qui était gagné alerte sur lui. On veut parler de Fanor qui c'est un ancien journaliste Radio Télé Pacifique. Et Yvnet Silafanor li bay non plusieurs journalistes qui konn al nan dossier gang avec lui. Al nan dossier gang nan pa rien, mais c'est rapport ou vin développer avec gang nan. Les gang nan c'est partenaire, gang nan rilou les livlé, li pa son lòd, li paye ou et c'est si li acheter moto li enfermé kay pou. Ça c'est relation zanmi tay. Nan témoignage Yvnet Silafanor qui c'est caméraman et radio télévision Pacifique lui déclarer c'est pas celle lui-même comme journaliste qui connait aller dans activité gang yo mais il y a plusieurs autres confrères avec concert
qui compte accompagner tout. Ça veut dire là, il piéger l'autre journaliste. Il fait connaître lui-même, il pas pour contre lui. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Licité non, journaliste VOA créole. Qui c'est Matiado Vilmé, si en femme Matiado Vilmé, c'est lui qui travaille pour la Voix de l'Amérique. Le jeune Ivenson Joinville, journaliste Zénith. Le jeune Mackenzie Victor pour Radio Émancipation FM. Radio Mettmoria et Émancipation FM, c'est radio ça terriel tel ça travaille là. Des émissions solé. Nous joignons Stanley Jacques. Lui-même qui c'est journaliste Bonzin TV. Nous joignons Mano avec Makin et Machanzin Haïti qui connait là aller régulièrement dans activité gang yo selon témoignage Yves Lafano. Gopion qui dit oh oui, c'est Bernard Daniel qui dénonce ça. Si nous bien, journaliste a arrêté avant Banet. Yves Silafano, la presse a arrêté avec une machine qui était à l'aide sous lui. À la suite, l'offre a arrêté et Fano, il va témoigner, il fait qu'on a une machine ça, c'est nommé un confrère journaliste, il a acheté la machine ça, mais il ne peut pas le transfert. Nous captons. Quand il y a la machine qui est sous lui, est-ce que c'est. Et parce que la machine a fait aller-retour en de ghetto, la pousse vient sur la machine et te vient mettre à l'aide sur lui qui fait que je ne sais pas si c'est même premier journaliste qui était avant même il venait acheter la machine de la connaître déjà ou bien c'est le il venait acheter la machine machine à faire aller retour dans le ghetto je viens de à l'aide sur lui par contre on attend de CPJ il venait sur la fano monsieur c'est mettre affaire il c'est un lion ancien journaliste radio télé pacifique c'est monsieur même li avoué li développer bon relation avec gang yo nan pays d'Haïti d'après enquêteur de CPJ je connais Yves Silafano alias Falap gen gros connexion à gang qui nan coalition vivre ensemble. Pour justifier ce rapport qui a 27 pages là, dia yo montre numéro de téléphone bandi yo enregistré sous deux téléphones joyeux là possédé. Nous gain contact l'appli ISO avec l'autre gang yo tekou Jimmy Cherise alias barbecue yo enregistré sous téléphone Fano. Attendez, yon journaliste qui développe bon relation avec gang yo. Et tout, yo rapporté yo joine yo capti d'écran, ça nous des screenshot nan bouillon téléphone joyeux là et puis tout yo joine monsieur t'a parlé avec gang yo. Nous appel conférence. Après screenshot que fin joine nan rapport de CPJ souligné. Bien amis auditeurs auditrices, rapport souligné. Je joins message vocal Yves Silafano qui partageait un journaliste là. Et bien message vocal qui partageait un journaliste là avec plusieurs chefs gang dans rue ensemble. Parmi yo, gen yon message vocal yo. Côté Yves Sanoué là qui c'est Fano, il a comploté pour faire attaque sur le palais national. Attendez bien, un journaliste a préparé avec gang pour faire attaque sur le palais national. Pas la grave. Dans ce sens, il a cité plusieurs côtés journalistes là qu'on y est dans le moment où ils sont en contact avec. Moi-même, quand je venais, qui c'est un journaliste reporter, caméraman, papa, tout le monde connaît la musique avec Nicole, souvent, il venait sur la gâte sur l'écran. Imaginez un journaliste
quoi couvre évidemment ou bien la police a fait intervention ou les gangs ou dit gang là, mais telle opération la police a fait, mais tel côté et policier, mais qui gens policier a fait pénétration là où sont gang. Fano confirmé, oui, il développe une bonne relation avec gang yo, mais tenez bien, il dit il venait, il y a un bon rapport avec gang yo dans pays d'Haïti, il venait faire connaître, c'est pour défendre tête li à travers la presse là, hein, c'est pour défendre tête li parce qu'il était dans quartier populaire, il était dans ghetto, il venait rester dans Matissa, il obligé qu'il contact gang yo parce que il te voulait gagner la paix. Il te voulait gagner la paix. Il t'a bataille pour ça. Et ça me dit, oui, pour défendre tête devant enquêteur de CPJ, il dit ça en tant que travail la presse. Il explique les relations ça, il développe avec bandi yo. C'est pour te prêcher la paix entre eux. Mais ou pas qu'a dit moi prêcher la paix. Ou qu'a prêcher la paix. Mais là, je ne vois pas côté n'a planifié pour attaquer le pays national. Ça, c'est le bail. Ça, puisque la paix. Ça, puisque la paix, oui, garçon. Et Samy s'est fait là. Pas me mais c'est arrêté déjà. Samy s'est fait là. Gen le journaliste de Bokimbe, là, bas l'autre journaliste qui connaît avec tout. Ah, gen journaliste, il a arrêté comme des CBJ pour arrêter le journaliste qui n'a pas. Je vois ce qui cite dans le rapport là, des CPJ mandé pour arrêter Mounsayo. Il m'a dit pour arrêter Mounsayo, tu as un avis de recherche par les sorties. Depuis que vous avez arrêté là, il y a tout les journalistes qu'on a dans le dossier. Parce que le dossier est fait. Parce que l'homme de Chen Masla a un petit clan. Mais qui plus peut être Chen Masla, c'est lui qui a plus de contact avec lui. Parce que c'est le dossier qui a l'argent. Vous comprenez bien? Le banzouré l'eau, ma fois qu'on fait des quest là, et mes maison qu'on y a là, descend d'un côté. Par exemple, si bandit en relief à nous, Fano, à là, et mes quelques journalistes là, et nous gommez, nous ça nous fait passer à l'état de comme ça, nous bolet pour venir descendre en bas, pour équipe pour descendre en bas. Et puis qu'on va quitter, il a quitté 100 000 gouttes. 100 000 gouttes ça, Fano avec équipe, et puis tout, il prend la séparé, il descend, il fait reportage là. Il y a les dans base gang là. Et puis tout fin fait yo fin fait ba yo et puis tout gang là bay l'argent, yo séparé l'entrée yo, l'argent boissé. C'est comme ça les chaîne masse là. Nek plus station masse là, c'est nek qui plus contact gang yo. La chaîne masse a un petit clan. Un petit clan nek et nek yo là, ou ka nek chita là comme ça, ou on lever gagne pas gagne yo disparaît sous et puis tout yo gon côté yal réuni ensemble pour descendre entrée dans ghetto yo. Ou quoi, il y a 60 joueurs en bas de la masse. Dans le clan, si il y a 5 nègres ou 6 nègres là-dedans ou 7 nègres, depuis que vous avez écrit le WhatsApp, vous avez dit que c'est un dossier talent comme ça, à 10h ou 11h, nous descendons et dans le ghetto là, nous allons nous battre avec nous, ou bien ils ont demandé pour nous, nous descendons, nous allons faire le reportage. Comme vous l'avez quitté, mais tant que vous l'avez quitté. Quand vous regardez, monsieur disparaît, on l'a disparaît sous, il disparaît sous Powell, cherchez-le Powell. Après ça, il y a un pita waloué, 5 médias ou bien 7 médias qui étaient présents, ils ont publié dossier, ils ont mis la pli ou bien barbecue, l'argent qu'a boissé. En tout cas, ma fait nouvelle, c'est le rapport de CPJ qui sorti, qui gagne 27 pages, c'est dans l'imé là. Et c'est lui qui fait un pile tolé hier soir là, qui coupe le sommeil, manger en pile journaliste. Les gens là c'est sous bouche là yo passé nuit yo fait manger yo pas dormir c'est vrai en fait là c'est garder yo était ouais c'est des CPJ qui débarquer sur yo vrai ça m'a fait mal rendez-vous dans prochaine émission pour qu'on va tout le dossier pas oublier channel ça c'est production 69 m'a demandé pour like abonner peser sur cloche notification retirer le sous personnalisme de sous toute plein la vidéo pour pas rater.